Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 20... 20... Pour ce nouvel épisode, je sais plus, pour ce nouvel épisode d'Alice Retour au Pays de la Folie, c'est le 26e je crois, non? J'ai peur de dire une bêtise. Donc bienvenue pour ce nouvel épisode. La dernière fois, nous devions faire une énigme, mais je me suis aperçu en faisant le chemin, parce que du coup la sauvegarde automatique effectivement s'était déclenchée bien avant l'énigme, enfin bien avant... Oui, enfin bref, à l'entrée du temple, quoi. Et j'ai remarqué ce petit passage sur le côté, là, à l'instant. Donc, j'ai peut-être manqué un secret. Alors, je ne sais pas si c'est hyper important. C'est sûrement important, ouais. C'est sûrement important. Ah, une bouteille. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Donc, je me soigne. Et rassurez-vous, on se retrouve tout de suite pour l'énigme. Parce qu'il faut que je ramasse les pièces et tout, donc allez, à tout de suite. Ok, donc nous sommes de retour ensemble pour l'énigme. Donc je dois reconstituer ce puzzle en moins de 24 coups. Alors je vois que la tête n'est pas à la bonne place. Donc la tête n'est pas à la bonne place. Enfin, tous les morceaux, ouais, tous les morceaux, le dragon est vert, ne sont pas à la bonne place, quoi. Alors je vois... Ouais, je vois... Non. Oui, d'accord. Ok. Ok, ok. Comment expliquer ça? Non, ok, je vois. Le morceau, la pièce qui est tout en bas, c'est celle qui doit être juste à gauche de la tête. Et du coup, celle qui doit être juste au-dessus de la pièce qui est tout en bas au milieu, pardon, en bas au milieu, c'est la pièce qui est en haut à droite. Ok, donc moins de 24 coups. Le pire, c'est que je crois me souvenir avoir vu ma petite sœur faire cette énigme. Et quand elle le faisait, je me souviens, je me souviens que j'avais la solution en tête. Sauf que, comment commencer? Comment commencer? Bon bah écoutez, on va tenter des trucs, hein. De toute façon, je peux tenter de réinitialiser la chose. Donc il faut que... Parce que là, voilà, je bouge ça comme ça. Voilà, je reconstitue une partie du corps. Oh bah... Bah je crois que c'est bon. Voilà. Tranquille. Sauvez-nous, j'ouvrirai le chemin. Ok. Bon bah je l'ai résolu en... En quelques mouvements, en quelques secondes même, j'ai peut-être passé une minute à réfléchir quand même, mais je vous avoue qu'à la fin de l'épisode 23, donc on est l'épisode 24, j'ai vérifié, à la fin de l'épisode 23, j'ai beaucoup galéré, c'est pour ça que j'ai fait une ellipse. Après, pour mettre fin à l'épisode, parce que sinon ça allait prendre beaucoup trop de temps. Et donc oui, effectivement, bah, c'était tout simple. Il me semblait bien que c'était pas si simple, pas si compliqué que ça, pardon. Il me semblait bien qu'il fallait vraiment très peu de coups pour résoudre l'énigme, ok. Donc finalement, c'était assez simple. Et bah parfait. Parfait. Je me sens bien maintenant. Je me sens héroïque, je me sens fabuleux. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a une sauvegarde juste au moment où la porte s'est ouverte. Donc... Donc la dernière fois, je me suis arrêté juste avant une sauvegarde. Et ouais. Bon allez. Souvenir. Je crois qu'elle est malade. Trop d'imagination. Elle a le complexe héroïque, un profond désir d'apporter son aide à tout le monde, sauf à elle. Ainsi qu'un grand sens de la justice. Elle aimerait découvrir le vrai sens de la vie, mais ne sait pas dans quel sens chercher. Je dois dire que tout cela est assez vrai. Ça ressemble bien au personnage qu'on suit depuis plusieurs épisodes. Après tout, c'est vrai, elle aide beaucoup de monde. Beaucoup de monde, même tout le monde, j'ai envie de dire. Et elle a soif de justice, effectivement. Ok, bon, une petite phase de plateforme. Tout ce qui est de plus classique. Je regarde aux alentours pour voir s'il n'y a pas de... S'il n'y a pas de secret. Rien à signaler de mon côté. Alors j'attends juste pour ramasser cette petite dent, là. Hop, voilà, merci bien. Les pernicieuses guêpes montent la garde là-haut et contrôlent les pics à l'est et à l'ouest. Il faut les vaincre pour atteindre le refuge du bon Bix.
J'imagine que c'est à moi d'aller les débusquer en haut de la montagne. Nous sommes sûrs que le bon Vix, étrange et merveilleux, aide ceux dans le besoin. Un jour, il le prouvera. Un cœur pur peut accomplir beaucoup. Pour approcher de son domaine sacré, vous devez affronter les féroces Demios, qui nous empêchent d'accéder à son pouvoir. Je vais ouvrir l'accès aux grottes sacrées où commence votre route. Oui, bah le bon Bix, on l'avait hein, l'autre jour avec l'épisode 23 peut-être. Ouais, épisode 22. Épisode 22. On l'avait vu le bon Bix, on l'avait en face de nous. Alice l'avait en face d'elle. Et c'est le bon Bix qui a voulu l'envoyer dans ce monde. Ah, ça je connais, ça je me souviens. Enfin, je me souviens. J'ai pas joué à ce truc-là. Enfin, j'ai pas joué ce moment-là, mais j'ai vu quelqu'un y jouer. Ma sœur. Et c'est rigolo. C'est pas si facile que ça en a l'air, mais c'est rigolo. Donc, on entre dans la peinture. Enfin, peinture, oui. Enfin... Non, mince. Est-ce que je peux revenir en arrière ? Pense à cette représentation d'harmonie et de paix. Ce climat a favorisé le développement de l'industrie et de la coopération. Les familles, les enfants, les amis se sont multipliés, savourant leur bien-être, confiant dans l'avenir, plus sûrs, actifs et libres. Mais un assaut d'origine inconnue a réduit leur corps en miettes et ébranlé leur optimisme. Alors en fait, j'ai passé les astuces parce que je voulais sauter tout bêtement. Je voulais sauter sur place. Bon bah d'accord, la prochaine fois je ne sauterai pas sur place. Bon. Bienvenue dans le monde de la 2D. Yeah. Voilà. Donc on va avancer tranquillement. Donc nous sommes... Oula. Nous sommes sur la route des grottes sacrées. J'ai eu peur que le truc de la, d'en haut, là, m'écrase, en fait. Ok. On peut voir quand ils vont cracher du feu, parce que, justement, la... leur œil est en feu. Donc, un petit indicateur qui nous dit « Attention, je charge mon tir. » Hop là. On se relaxe. On souffle et on se laisse porter. Oh! Non! On se laisse pas écraser. Ah oui, d'accord. Faut pas que je reste trop longtemps sur les plateformes. Mais il faut aussi que je reste un petit peu sur les plateformes. Ah d'accord, celle-là c'est l'inverse. Elle monte, d'accord. Ouais, c'est ça le piège. Faut pas que je saute. Il faut que j'attende que la plateforme soit assez haute pour passer, d'accord. C'était le petit piège de cette plateforme-là. Il y a cette plateforme-là qui descend, il faut sauter à temps. Et celle-ci qui monte, et il ne faut pas sauter. Voilà. Ok, je vois. C'est pas un problème, voilà. Donc jusqu'à présent, tout va bien. Et je crois qu'il y a quelque chose par là. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Une bouteille, un souvenir, une pêche peut-être? Ouais, une pêche. Pour choper une dent. Et c'est tout? J'ai juste chopé une dent. J'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose là-bas, donc je vais m'arrêter là. Non, parce que si ça se trouve, je vais revenir en arrière et ça me casse les pieds. Ce serait assez frustrant de voir que je suis revenu en arrière. Encore ces plateformes qui bougent. Ah d'accord. Voilà. Sur le coup, je vous avoue que je savais pas comment faire. Je me dis mince, mais c'est pas possible. Mais oui, je peux tout faire. Quoique, attendez, peut-être pas tout. Non, j'ai pas accès aux armes. Voilà, c'est juste ça. Je peux pas utiliser les armes. Tout ce qui est glaive, cheval-bâton, théière-canon ou moulin à poivre, je ne peux rien utiliser. Mais en revanche, tous les autres pouvoirs d'Alice, oui, c'est possible. Hop, attends une seconde, Alice.
J'aimerais voir ce qu'il y a à droite. Ah ah ! Une autre pêche. Ouh là là. Ok, donc je ne referai plus jamais ça. Je descendrai avec beaucoup plus de prudence à l'avenir. Donc ok. Donc on a des pêches à les ramasser de temps en temps, mais c'est pas super intéressant parce qu'une pêche, j'ai l'impression que ça rapporte qu'une seule dent. À moins que je me plante et que ça rapporte plus de dents que ça. Je sais pas. Je ferai plus attention la prochaine fois. Boing, 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 boing. J'ai vu la pêche. Ouais, une pêche égale une dent. Bah, c'est pas cool. C'est pas cher payé quand même. Hein. Je veux plus. Très bien, je vois. Mais je soupçonne... Il y a peut-être quelque chose en bas à droite. Donc je vais attendre que la branche repasse. Quoique c'est... Ouais non, je vais peut-être pas attendre. Ah mais je suis curieux. On va refaire un petit tour, juste pour le plaisir. Non, il n'y a rien. Désolé. Désolé, désolé. Oh, c'est juste pour refaire un petit tour comme ça pour s'amuser. Voilà. Un petit tour de manège, ça fait toujours plaisir. Hop là, et puis il y a des dents pour me consoler, c'est parfait. Et là, je crois que je peux améliorer le cheval bâton là. Je crois qu'il me fallait 625 dents. Si je dis pas de bêtises. Ah, et je peux donc quitter ce lieu. Parfait. Ok, donc ça c'était un premier tableau, ce ne sera pas le dernier. Donc c'était le passage pour accéder à la grotte sacrée. Ok. C'est assez simple. Seuls les fous voient la souffrance comme un trait de leur personnalité. Et... ouais, c'est... ouais. Oui, mais enfin, je... Non, mais ça va, moi, je souffre pas. Seuls les fous voient leur souffrance comme un trait de leur personnalité. Ah, oui, d'accord, je vois. Je vois. Ma douleur, c'est ce qui me définit. C'est ça que tu dénonces? Selon moi, une fille se doit d'honorer la mémoire de sa famille dans le marbre. Je connais un très bon sculpteur qui accepterait de vous faire un prix. C'est pour les pierres tombales ou pour faire des statues? Oh là, wow, 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 wow. Le courant d'air, je prends le courant d'air, merci. Bon, ce cher Milton Radcliffe aime beaucoup l'art, voilà. Ah, intéressant par contre ça, dites donc. Aïe, non, j'ai pas touché. Oh. Hop là, voilà, on évite un petit peu la fin. Qu'est-ce que c'est que ça? Guêpe samouraï, archère en plus. Allez, vas-y, tire. Ouais, d'accord, je vois. Bon, c'est bon, t'as assez tenté ta chance, voilà. Tu me prends un peu de thé. Et tu la fermes. Voilà. Alors je vais guetter un petit peu les secrets qu'il pourrait y avoir ici. Quoique non, j'en ai déjà chopé un. Mais peut-être qu'il pourrait y en avoir un deuxième. Hein. Genre un groin un petit peu masqué. Un groin même presque invisible. Pourquoi pas. Ah mince. Ok, donc moulin à poivre pour celle-ci qui est trop loin. Allez. Voilà, ça c'est fait.
Merci pour les dents. Oui, qu'y a-t-il? Je vois. Oui, il faut que j'accède à ça. Il faut que j'accède à la chaîne, pardon. Et... Ah, je vois des choses qui sont... Oui, d'accord, c'est un dessin de chaîne, oui, d'accord. J'imagine... D'accord, donc la chaîne, c'est pour, j'imagine, ouvrir la porte qu'il y a là-bas. Tiens, tiens, tiens. Il y a forcément un moyen de... Ah! D'accéder à la plateforme. Bah oui, effectivement, Kev, le moyen était juste sous ton nez. Le pire, c'est que moi, j'allais chercher un peu plus loin en plus. Hein. J'étais persuadé qu'il fallait avancer un petit peu pour activer un truc, pour ensuite revenir ici, activer la chaîne, tout ça. Ah là là. Tout va bien. Tout va bien. Alors, je m'équipe. Ah, je peux pas changer d'arme pendant que je suis en l'air. Olé. Voilà. Bye bye. Ou plutôt bzz bzz. Ah, les guêpes samouraïs. Donc c'est bon, y a pas de secret. Y a pas de secret. Oh! Ah, carrément! Carrément, Alice peut tomber sur le parchemin. Enfin, sur le parchemin, oui, sur. Bref, sur. Elle peut tomber, quoi, et se faire cramer juste derrière. Ok. Donc, juste frôler les symboles enflammés, ça fait tomber une première fois. Et une deuxième fois, ça tue. Très bien. J'ai fait exprès de mourir, c'était pour la démonstration. Non, en fait, j'ai menti. C'était pas pour la démonstration. Ouais, mais plus on approche de la fin, plus c'est dur parce qu'on les voit pas arriver, c'est ça le truc. Bah voilà, c'est ça le truc. Ah bah en plus, j'étais pile entre deux rangées, quoi. Ha! C'est pas si simple que ça en a l'air. Bon, jusque-là, ça va. Et après, voilà, on plane. Très bien. Parfait. Alors tiens, voilà, tant que j'y pense... Cheval bâton, quoique la théière ça aide pas mal. Non, le cheval bâton parce que là les guêpes samouraï je pense qu'on va rencontrer souvent. Ouh, en plus il est joli. Avec sa magnifique crinière, sa crinière d'acier. Ah c'est classe, je regrette pas. Je ne regrette absolument pas de l'avoir amélioré. Et j'ai cru entendre, ouais, j'ai entendu, il me semblait bien avoir entendu quelque chose. Allez. Ah, c'est pas ça que je veux, moi. C'est le moulin à poivre, voilà. Et je vois qu'il y a des plateformes ici-bas. Voyons voir. Non mais... Voyons voir ça. Disais-je. Avant d'être honteusement interrompu. Donc le bombe X, j'imagine, est là-haut. N'est-ce pas? Voilà. Boum. Tout cela n'a servi à rien. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix, je dois avancer par là. Ah ouais, ce sont de grands mouvements quand même, hein, faits par ces plateformes. Voilà, tuk, 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 tuk. Voilà, on avance vite, parfait. Et a priori, je n'aurais rien manqué. Bon, je vérifie souvent, mais immanquablement, je pense que je vais manquer des choses. Tiens, boum! Ah ouais, d'accord, t'es insensible... Ouh! T'as été insensible à ce coup-là. Ouh, il y a un coup qui a fait particulièrement mal. Le dernier aussi a fait très mal, mais le combo... Le combo avec le... Enfin, l'enchaînement avec le cheval bâton... Oh, c'est beau! Magnifique cette attaque. Donc on a ramassé la petite bouteille, on active la chaîne. Et on devrait bientôt arriver à la fin de cet épisode. Ah mon dieu, je suis désolé. Mais je préfère quand même en faire des petits, genre 15-20 minutes. Parce que ça me permet bah, d'une part d'avoir un rendu de vidéo moins long. Enfin je... C'est une petite parenthèse hein, que j'estime utile dans le cas présent. Mais il y a un avantage aussi, c'est qu'ils sont plus faciles à enregistrer.
Parce qu'après un épisode de 20 minutes, je peux très bien en faire un autre de 20 minutes. Ça pose pas de problème, tandis que si je fais un épisode d'une demi-heure, et bah après, bah j'ai peut-être pas forcément le temps de refaire 20 minutes, une demi-heure, vous voyez. Bon, certes, à 10 minutes près, ouais, bon, ok. Parfait. Sauvegarde. Gep Sepia. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que je viens de dire? Il faut un peu de suspense. Donc voilà, ceci est un cliffhanger. Oh mon dieu, un cliffhanger. Donc, dans l'épisode prochain, dans l'épisode 25 d'Alice, retour au pays de la folie, nous allons combattre cet animal terrible. Bah quoique, vu que je dois... allez, d'accord, allez. Non, non, ceci n'est pas un cliffhanger. Ceci était une fausse fin d'épisode. C'était une farce, voilà, c'était une blague. Et voilà, cette guêpe samouraï s'est faite détruire. Hop là. Ah, je vois. D'accord, il faut casser. D'accord, il faut juste casser la pierre et puis c'est bon. Oui, bah oui. Ah, il faut casser les pierres. Ok. Toutes les pierres afin de se débarrasser définitivement de cet animal. Oh, donc c'est pas si dangereux que ça, quoi. Enfin, dangereux, je sais pas. J'ai pas encore été touché par ces attaques, mais... j'ai quand même l'impression que c'est pas si dur. Oui, ce sont des petits ennemis volants. Oui, ça va, c'est pas trop... Ok. Je pensais que c'était beaucoup plus grave que ça. Oui, c'est comme les petites loupiottes, là, dans les autres chapitres. Ok, ça pose pas de problème. Eh ben, parfait. Bon, en fait, c'était quasiment rien. Donc, parfait. Eh bien, voilà, c'est la fin de cet épisode 24 d'Alice au pays de la folie. Salut tout le monde, à la prochaine.